Square, down to Gonky Park, listening to the wind of change. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. We could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Alors bonjour, je me présente, mon nom est Derek Tremblay.
Je suis l'un des directeurs ici au complexe funéraire Le Sieur et aussi un célébrant de la vie et non pas un ritualiste de la mort. Parce qu'ensemble, nous allons souligner et honorer la vie non pas d'une personne, mais exceptionnellement de deux personnes, et c'est bien sûr Lynn et Mario. Encore une fois, au nom du complexe Le Sieur, de toute l'équipe, nos plus sincères condoléances. Lorsque l'on parle qu'il y ait de la vie en général, il doit y avoir les quatre éléments de la nature. Du feu, entre autres la chaleur, de la lumière, nous réchauffer, éclairer. On a besoin de la terre, un élément solide, bien sûr, qu'on puisse cultiver, que l'on puisse marcher. On a besoin de l'air qu'on essaye de respirer. Et oui, je parle du nez. On pourra confirmer cette semaine, j'ai une bonne petite grippette qui achève. Et le dernier élément de la nature, est-ce que vous pouvez me le dire, c'est quoi? C'est ça. Pas du whisky, là. De l'eau. Malheureusement, vous me verrez boire un peu plus souvent que d'habitude. Donc, lorsque l'on parle de la vie, une fois de plus, indirectement, et s'il y a bien un sujet qu'on ne veut pas parler, c'est la mort. Surtout en période de Noël, on disait à l'époque, du moins dans ma jeunesse, on parle jamais, mais jamais, à Noël, de politique, de la mort, la religion, les chicanes, etc. Évidemment, la mort, on ne veut même pas y faire allusion, mais malheureusement, on doit y faire face une journée ou l'autre. Mais entre la vie et la mort, il y a ce que j'appelle le vieillissement, le passe-temps. Et le temps qui passe, eh bien, bien sûr, il y a des histoires à raconter. Des histoires qui appartiennent à chacun et à chacune d'entre nous, dont les histoires sont bien sûr différentes. Lorsque l'on arrive en funérailles, on demande aux gens, ou du moins par coutume, de faire des témoignages, de raconter ces histoires. C'est toujours plus personnel lorsque cela vient par des membres de la famille que, bien sûr, que la personne qui est en avant, qui ne les connaît pas. Mais, de manière tout à fait exceptionnelle, on peut bien sûr lire des textes des membres de la famille. C'est des textes qui, malheureusement, autant Lynn et Mario ne pourront pas entendre physiquement, bien sûr, de leur vivant, mais qui sait, dans l'au-delà. Mais c'est surtout et avant tout pour nous, les vivants, pour nous consoler et en même temps, en apprendre plus sur eux. Il y a des choses que vous savez beaucoup, mais d'autres petites anecdotes, pas du tout. Mais l'idée, c'est d'apporter des bons et beaux souvenirs et de nous rappeler, bien sûr, un peu plus qui ils étaient. Alors, sans plus tarder, je vais commencer par lire le texte qui a été rédigé par Jessica. Il est fort possible, selon l'inspiration que je peux arrêter, je peux poser une question, et que si vous avez une petite anecdote ou une précision à rajouter à ce que je vais dire, ne vous gênez pas à lever la main, vous pouvez m'interrompre. On va dire, on ne fait jamais ça, interrompre la personne qui est en avant. Avec moi, vous pouvez sans problème. Alors, on commence. Alors, bonjour. Nous sommes ici aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à mon père Mario Saint-Laurent et à ma mère Lynn Desourdis. Je sais que cette journée n'est pas facile pour la plupart d'entre vous, car nous disons un dernier au revoir à deux personnes que nous aimons. Mon père était honnête, généreux et digne de confiance. Il avait sa façon à lui d'exprimer ses sentiments et de dire les choses, mais il était un homme de principe et de conviction. Il n'aimait pas voir les gens qu'il aimait souffrir ou avoir de la peine. Mon père avait une multitude de cordes à son arc. Le dessin, la guitare, la cuisine et j'en passe. Peu importe ce qu'il entreprenait, il ne se laissait pas décourager par le jugement des autres.
C'était une des rares personnes qui était capable de dire la vérité, quelle qu'elle soit ou non à entendre. Je ne comprends toujours pas pourquoi la vie a décidé de te laisser périr seul chez toi, sans être auprès des tiens, toi que j'ai vu rire, pleurer pour les rares fois de joie, parce que tu disais toujours qu'un Saint-Laurent, c'est tough et ça ne pleure pas. Ma blonde, c'est une Saint-Laurent, puis elle pleure. Mais je l'ai vu pleurer, de rage aussi, et je percevais l'impuissance et l'anxiété dans ses yeux à chaque fois que le téléphone sonnait en attente. D'une bonne nouvelle concernant la femme de sa vie qui lâchait et s'éteignait à chaque respiration. Ça me faisait mal de le voir aussi démuni et brisé. Mais je le comprenais d'avoir mal. Mon père avait une force de caractère qui me fascinait. Il avait tellement d'histoires passionnantes et farfelues à nous raconter, des anecdotes et des péripéties de tout genre, dignes de grands films. Les niaiseries qu'il montrait aux enfants, et ils sont ici comme témoins, on pourra même leur demander quelques-unes, qui les faisait rire aux éclats, vont terriblement me manquer. Alors les jeunes, si vous m'écoutez, je m'adresse à vous, nommez-moi une niaiserie. La face dans le gâteau. Et ça n'a pas fonctionné. D'autres? Il disait quoi? Oh, de prendre le glaçage du gâteau avec une cuillère et le mettre sur le visage des autres. Ouais, c'est toute une niaiserie, oui. Il faisait des pièges au chat de sa voisine. Oui, c'était toute une niaiserie. Je suis pas sûr que la SPCA apprécierait. Oui. Elle lève la main, mais elle dit « Je t'aime ». C'est bien correct. On continue. Il flashait les lumières. À qui? Évidemment. Ah oui. Faites ce que je fais, mais faites pas ce que je dis, ou quelque chose du genre, ou le contraire. On continue. À la suite de ton départ, maman a suivi 2 semaines plus tard, à Pâques, mais les circonstances de vos décès sont tellement différentes que c'est perturbant et encore invraisemblable. Maman, comment puis-je t'exprimer tout l'amour et la gratitude que j'ai pour toi? Tu es la femme la plus courageuse que j'ai rencontrée. Malgré les intempéries et les innombrables épreuves dont la vie a cruellement parsemé ton chemin, tu as su puiser cette incomparable force qui t'habitait, et tu es resté debout jusqu'à ce que ton corps n'en décide autrement, tel le pilier que tu étais. Dans les tourments et devant l'adversité, toi et papa m'avez appris à ne jamais baisser les bras, à garder la tête haute et surtout à rester persévérante et optimiste. J'ai appris à prendre mes décisions en me basant sur mes valeurs profondes, comme vous me l'aviez enseigné, et aussi de rester intègre et vrai. Maman, par ta grande générosité et ta fidélité, tu as su aider à apaiser les tourments de plusieurs
et à redonner espoir à ceux qui en avaient oublié la couleur. Tu as donné de ton temps, peu importe l'heure, pour laisser place à ton côté empathique. Nos moments à discuter de tout et de rien vont tellement me manquer. Les textos du matin où tu m'écrivais « Bon matin et bonne journée, je t'aime, on s'appelle plus tard. » Et chaque soir avant que tu aies te couché, tu m'écrivais « Bonne nuit, je t'aime fort, puis joue à demain. » Aujourd'hui, je regarde mon téléphone, et ce depuis ton départ, et j'attends encore ton texto. Du matin et celui du soir. Pourtant, j'étais là. Te tenant la main dans mes derniers milles, tes derniers souffles, je t'ai vu t'éteindre et nous quitter. Nous avons perdu deux êtres chers qui se complétaient tellement. Mon père m'avait mentionné à plusieurs reprises qu'il ne pourrait jamais vivre sans ma mère. Comme les inséparables, l'un n'allait pas sans l'autre. Ils étaient comme le yin et le yang. Les forces de mon père étaient les faiblesses de ma mère, et les faiblesses de mon père étaient les forces de ma mère. Ensemble, ils étaient plus forts. Eux, c'était la vie à la mort, et nous sommes témoins en ce jour, dommage, qu'ils n'avaient pas tort. Je prends une petite pause. Il faut profiter de chaque minute, de tous les petits instants de bonheur que la vie nous offre, de tous ces petits riens qui ne font un tout. Mais surtout profiter des gens qu'on aime, car le vide laissé derrière eux, une fois qu'ils sont partis, est immense et impossible à combler. Mais aussi tant de souvenirs partagés, d'instants uniques, de moments de bonheur. Je suis privilégié d'avoir beaucoup de souvenirs à partager pour conserver vos mémoires. N'ayez crainte, vos mémoires seront toujours gravées dans mon cœur. C'est avec le cœur serré qu'il me faut accepter votre mort et vous laisser partir en paix. Merci pour tout. Je ne vous oublierai jamais. Prenez soin l'un de l'autre jusqu'à notre arrivée et veillez sur notre famille. Reposez en paix, votre fille Jessica. Merci Jessica d'avoir pris le temps non seulement de réfléchir, de faire des brouillons, de rédiger, mettre ça au propre, mais aussi de me faire confiance pour parler en ton nom. Maintenant, pardon? C'est bien correct. Maintenant, je vais prendre la parole au nom de Dominique Saint-Laurent. Je me permets-tu la petite parenthèse? Au lieu de me donner les papiers du témoignage, c'est des papiers du médecin. Je dis, oh, j'aurais pu le lire, mais je ne suis pas sûr que tout le monde... C'est bien correct. Alors, je me permets de lire à son nom. Mario, mon frère, Lynn, ma belle-sœur. Votre famille, vos proches, vos amis, et tous ceux qui vous ont côtoyé et aimé sont ici aujourd'hui pour vous dire officiellement au revoir. Pour moi, j'aimerais rendre un dernier hommage à mon frère et à une amie et belle-sœur qui sont décédées et qui, à mon avis, étaient trop jeunes pour mourir. Votre départ en ce monde a été certainement trop soudain et surtout trop tôt.
Mario, 56 ans, et Lynn, 53 ans. Je suis en mesure de confirmer que l'histoire entre Mario et Lynn a commencé dès le jour où j'ai conduit mon frère Mario pour une seule soirée chez Lynn, qui était alors mon ami avec qui je passais des soirées agréables. Lynn avait 17 ans et Mario 19. Mario avait déjà compris que Lynn était la femme de sa vie. Comme on dit, ça commence tôt. Il lui a dit, et elle a ri, et ainsi a commencé leur vie ensemble. Après de longues journées de patience à la conquérir, l'amour a finalement trouvé sa place et a perduré tout au long de ces 36 dernières années. Et c'est là que je dis un petit peu la blague. Moi, après 3 ans, j'appelle ça un miracle. Mais bon, au fil des années, leur relation a évolué, s'est approfondie. Ils ont construit une vie ensemble, une famille, des souvenirs précieux. Ils ont appris à connaître dans les moindres détails, à anticiper les besoins de l'autre, à être là l'un pour l'autre, peu importe les circonstances. Leur relation était basée sur la confiance, le respect et la communication. Ils ont su surmonter les épreuves ensemble et en se serrant les coudes et en se soutenant mutuellement. Leur amour était profond et sincère et ils ont su le cultiver au fil des années. En prenant soin de l'un et de l'autre, et en montrant toujours présent dans les moments de joie comme de peine. Leur histoire était un exemple pour leur entourage, qui admirait leur complicité et leur solidarité. Ils étaient un véritable pilier l'un pour l'autre, et leur relation était un refuge dans les tempêtes de la vie. Je prends une petite pause. Mario disait « J'ai connu l'amour grâce à ma fidèle conjointe et à mes liens de sang. J'ai eu de beaux enfants. Tous deux ont sacrifié leur propre confort et leurs propres besoins pour s'assurer que leurs enfants aient tout ce qu'ils ont besoin pour grandir en bonne santé et surtout d'être heureux. Ils ont travaillé dur, économisé à chaque centime, et fait des choix difficiles pour offrir à leurs enfants les meilleures opportunités possibles dans la vie. Ils ont fait preuve d'un dévouement inébranlable et d'un amour inconditionnel pour leurs enfants, mettant toujours leur bien-être avant la leur. À deux, ils ont surmonté les obstacles et ont avancé ensemble, main dans la main. Malgré les épreuves et les difficultés, ils ont su rester unis et forts, car leur amour était plus fort que tout. Mario répétait souvent qu'il refusait de partir après Lynn, car il ne serait pas en mesure de poursuivre sa vie sans elle. À la simple pensée de perdre sa compagne de vie, sa meilleure amie, son amour, il était pris d'inquiétude. Il a respecté sa parole en s'éteignant paisiblement chez lui, sans solliciter l'aide de quiconque pendant que Lynn combattait la maladie de sa vie. Mario parlait de la mort. Elle aimait de la vie. Il vivait pour elle, elle est morte pour lui. Leur décès si proche l'un de l'autre a laissé un vide immense dans le cœur de leur famille et de leurs amis.
mais en même temps, cela a renforcé leur légende, les transformant en un symbole d'amour éternel et indéfectible. Leur histoire restera gravée dans les mémoires de tous ceux qui les ont connus, rappelant à chacun l'importance de chérir chaque instant, passé aux côtés de ceux que l'on aime. Ils resteront à jamais un exemple de courage, de dévouement et d'amour inconditionnel. C'était un couple uni qui a su surmonter toutes les épreuves que le temps leur a imposées. Ainsi, même après leur départ, Mario et Lynn continueront à vivre à travers leurs descendants, leur histoire, se perpétuant à travers le temps. Leur mémoire ne sera jamais complètement effacée, car leur héritage continuera à influencer et à façonner les vies de ceux qui viendront après eux. Tant qu'il y aura des personnes pour se souvenir d'eux, leur histoire restera vivante et leur mémoire restera éternelle. Chaque descendant de Mario et Lynn portera en lui un peu de leur histoire. Je me permets une petite parenthèse. Si vous avez déjà vu le film The Notebook ou Les pages de notre amour, peut-être à regarder, et si vous ne l'avez jamais vu, à regarder. C'est quoi? Justement, il va falloir l'écouter. J'en dis pas plus. Je peux dire, j'en ai pleuré, puis même ma blonde, elle me traitait de chochotte, mais bon. Sa fille Jessica et son fils Kevin ont hérité des valeurs authentiques de leurs parents, ce qui les a aidés à bâtir une vie équilibrée et épanouissante. Grâce à l'intégrité, au courage et à la force de caractère transmis par leurs parents, ils ont suivi le bon chemin en restant fidèles à leurs principes et à leurs convictions. Je salue le courage de Mario et Lynn et leur souhaite de vivre en paix là-haut où ils sont réunis et surtout de veiller toujours à leur famille. À la douce mémoire de mon frère, j'ai mis du temps. J'ai mis du temps, mais j'ai finalement compris que le bonheur n'était pas quelque chose à chercher à l'extérieur, mais plutôt à cultiver à l'intérieur de moi-même. J'ai appris à accepter mes imperfections, à me pardonner mes erreurs et à me concentrer sur le moment présent. J'ai mis du temps. Et j'ai réalisé que le véritable bonheur se trouvait dans les petites choses de la vie, dans les moments simples et authentiques. J'ai appris à apprécier chaque instant, à savourer chaque sourire, chaque éclat de rire, chaque rayon de soleil. J'ai mis du temps, mais j'ai compris que le bonheur n'était pas une destination à atteindre, mais un chemin à parcourir. J'ai appris à lâcher prise, à vivre pleinement et à être reconnaissant pour tout ce que la vie m'offre. J'ai mis du temps, mais j'ai compris que le bonheur n'est pas quelque chose que l'on trouve à l'extérieur, mais plutôt quelque chose que l'on cultive à l'intérieur de soi. Et c'est en ouvrant les yeux et en écoutant mon cœur que j'ai enfin trouvé la paix et la sérénité que je recherchais tant. Et avec le temps, j'ai appris. J'ai compris que la solitude peut être une occasion de se retrouver, de se recentrer sur soi-même et de se reconnecter avec nos propres besoins et désirs. J'ai réalisé que la vie est trop courte pour la passer à se soucier de l'opinion des autres. Il est important de vivre sa vie selon ses propres valeurs et de ne pas se laisser influencer par le jugement des autres.
J'ai appris que la confiance en soi est la clé pour atteindre ses objectifs et réaliser ses rêves. Croire en ses propres capacités et se donner les moyens de réussir est essentiel pour avancer dans la vie. Coudon, étiez-vous une gourou avant? Hein? Wow. Donc, il a appris, il a réalisé, il a compris. Il a appris, il a pris le temps, il a appris, il a compris, il a tout vécu ça. Wow. En tout cas, belle rédaction, fallait que je vous le dise. J'ai jamais lu quelque chose d'aussi inspirant, honnêtement, là. Devriez publier quelque chose là-dessus. Continuez. Fallait que je vous le dise. J'ai compris que le bonheur ne réside pas dans la possession des biens matériels, mais dans les expériences vécues, les moments partagés avec nos proches et les souvenirs que l'on crée. J'ai réalisé que la vie est faite de hauts et de bas, de joie et de peine. Il est important d'accepter ces fluctuations et de trouver la force de continuer à avancer malgré les obstacles. J'ai appris que le pardon est une libération. Laisser aller la rancune et la colère envers ceux qui nous ont blessés permet de se libérer du poids du passé et de trouver une paix intérieure. J'ai compris que chaque personne que l'on rencontre dans notre vie a quelque chose à nous apprendre. Chaque rencontre est une opportunité d'enrichir notre vision du monde et de grandir en tant qu'individu. J'ai réalisé que la gratitude est une clé pour être heureux. Apprécier les petites choses de la vie, exprimer sa reconnaissance envers les autres et cultiver un état d'esprit positif permet de voir la beauté qui nous entoure et de trouver la joie au quotidien. J'ai appris à voir le mieux même quand on est au fond du pire, pour que mon cœur ne soit pas aigri et qu'il connaisse le plaisir. Ainsi, j'ai abandonné les contraintes qui m'empêchaient d'être moi-même. J'ai laissé tomber les masques que je portais pour plaire à mon entourage, pour me conformer à leurs attentes. J'ai décidé de me parer de couleurs authentiques pour l'âme, de laisser briller ma véritable essence. J'ai commencé à vivre ma vie selon mes propres valeurs, mes propres aspirations, et j'ai pris des risques. J'ai osé sortir de ma zone de confort. J'ai exploré de nouveaux horizons. J'ai découvert de nouvelles passions, la famille, la musique, le dessin, et la créativité. J'ai appris à m'aimer et à m'accepter tel que je suis, avec mes forces et mes faiblesses. Et petit à petit, j'ai réalisé que l'isolement n'était plus une source de crainte, mais une opportunité. Lentement, la vie m'a appris qu'il n'y a rien qui soit acquis, mais que c'est dans les plaisirs des liens familiaux que s'installe la sérénité. Mario avait un dicton. Que tu m'aimes ou que tu me détestes, les deux me sont favorables. Si tu m'aimes, je resterai toujours dans ton cœur. Si tu me détestes, je resterai toujours dans ta tête. Alors, bon voyage, mon frère. Je t'aime. Merci beaucoup pour prendre le temps de rédiger tout cela. Avec une petite finesse poétique et un doigté exemplaire à la rédaction. On se permet ici de vous demander, ou du moins de vous inviter, si vous avez une anecdote après tout ce qui a été raconté jusqu'à maintenant, rien n'empêche que vous pouvez dire un mot, une anecdote, un son, une image, une belle expérience que vous avez vécue,
Ce temps vous appartient. Soyez rassurés, vous n'êtes pas obligés de venir à l'avant. Simplement levez la main et on vous adressera bien sûr la parole. À part de me dire que tu l'aimes, c'est bien correct. Châteaubonne? Non, tu sens trop bonne. Tu sens trop bonne. OK, c'est une odeur, oui. Donc, ne pas vous gêner, c'est le temps. Vous êtes en toute famille, en toute intimité. Alors, sinon, comme je dis un petit peu à la blague, là, qui ne dit mot consent, ce qui est maintenant important, c'est de retenir des beaux et bons moments dans votre vie. Et peut-être même demander des photocopies de textes à Dominique, qui peut-être, on ne sait jamais, pourrait être une source d'inspiration, autant pour vous que pour d'autres membres, bien sûr, de la famille. Ne serait-ce que copier ça et mettre ça sur Facebook, ça sera déjà une idée de partage, une idée spontanée que je lance à votre discrétion, bien sûr. Pour méditer tout cela, on va inviter maintenant à écouter une prochaine chanson de Bon Jovi. Cette chanson, en version française, du moins le titre, Never Say Goodbye, ne jamais dire adieu. Maintenant, parler un petit peu du moment présent. C'est ce que j'appelle le pouvoir des émotions.
Mais sur le décès ou les décès ont lieu au mois de mars, même si c'est quand même il y a quelques mois, des fois, s'il y a bien une chose qu'on ne veut pas revivre, c'est des émotions négatives, surtout quelques mois plus tard aussi. Mais d'une manière ou d'une autre, on n'a pas le choix d'y faire face à cette souffrance et douleur qui nous font mal. Et si nous avons plusieurs personnes, vous êtes des joueurs de Scrabble, pouvez-vous nommer quelques mots qui commencent par mal? Oui, on va voir si tu peux me dire un mot mal. Quel mot qu'elle a dit? Un bisou sur le nez. Un bisou sur le nez. Ça fait mal. Oui, en arrière. Comment? Malheureux. Oui. D'autres mots? Comment? Oui, malade. Malaise. Malchanceux. Puis bon, il y en a au moins 600 faciles qu'on pourrait trouver sur Google, mais le mot que vous avez fait mention, le mot que je veux surtout faire référence, c'est maladie. Le mal a dit quelque chose. De son contraire, on va dire que c'est la santé. Alors que dans notre société d'aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est du bien-être. Et tout ce que vous avez reflété dans vos témoignages, ce n'est que ça. C'est de la bonté, autant l'un envers l'autre qu'envers les membres de la famille. Lorsque ça fait mal, ça nous dérange. Ça vient nous crisper, ça vient nous rendre mal à l'aise. On n'est pas bien, tout simplement. Lorsqu'une situation vous arrive, comment est-ce que votre corps réagit? Exemple, si vous aviez un 18 roues qui vous arrive en face de vous, vous allez avoir la peur. Deux choses qui vont arriver. Soit que la peur va vous figer ou vous allez vous sauver, sauter, se tasser, bref, se distancer. Et les émotions ne vont pas réagir de la même façon ni de la même durée à personne. Et ça, c'est très important d'en prendre conscience. C'est important aussi que j'en fasse mention. Parce qu'il y en a, ils vont dire, « Oh, moi, j'ai vu que ça une journée, puis c'est fini. » Mais d'autres, ça peut prendre plus de temps. C'est une question de réadaptation, bien sûr, avec le temps, tout simplement. Et lorsque les émotions nous font mal, c'est comme un casse-tête. Tout le monde aussi a fait un casse-tête, n'est-ce pas? Et si on veut faire un bon casse-tête, habituellement, la boîte, elle est fermée, puis on va la brasser comme il faut. C'est ce que l'on ressent quand on apprend des mauvaises nouvelles. Mais tranquillement, on a besoin de commencer à une base. On fait un casse-tête, on commence par quoi? Les contours, habituellement. Puis après les contours, les mêmes couleurs. C'est certain que si c'est un cercle, c'est une couleur unie, c'est une autre histoire. Mais encore là, un casse-tête, ça prend du temps, ça prend de la patience, ça prend de l'organisation mentale aussi. Alors, c'est une chose qu'il faut tenir compte tout simplement. Et pour ne pas perdre, bien sûr, la maîtrise et le contrôle de sa vie, et c'est de là que je vais vous inviter à la prochaine chanson, encore une fois, de Bon Jovi. Son titre s'intitule « Always », mais « Always » veut dire en français « toujours ». Alors, quelle est l'émotion toujours à retenir dans l'expérience de vie de Lynn et Mario? Some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore. Oh,
that you left behind, all just memories of a different life. Something made us laugh, something made us cry, one that made you have to say goodbye. What I'd give to run my fingers through your hair, touch your lips to hold you near. When you say your prayers, try to understand, I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear. I wish I was him, but those words are mine to say to you till the end of time. And I will love you, baby, always happily, forever in the deep. Always. If you told me to cry for you, I could. If you told me to die for you, I would. Take a look at my face, there's no price I won't pay to say this words to you. J'ai presque fini, soyez rassurés. Où est-ce qu'on s'en va maintenant au niveau du futur? Ça vous est sûrement déjà arrivé quand vous écoutez, mettons, une musique de Rocky, dans Rocky 3, Eye of the Tiger. C'est une musique qui est un peu fait bouger. Si on va au gym, on va sûrement écouter cette chanson-là. J'aurais des gros doutes qu'on ira au gym et on va écouter... Sarah McLachlan in the Arms of the Angel. J'ai des gros doutes que c'est assez motivant pour dire on va commencer à bouger. L'idée ici, c'est la thématique de motivation. Si vraiment on veut aller mieux, quels sont les éléments et les ressources à notre disposition pour aller mieux? Oui, une situation est arrivée, on l'a reconnue, on l'a acceptée, on ne peut pas la changer. Mais notre vie maintenant, elle continue. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va la chercher, cette motivation, d'une manière ou d'une autre? Effectivement, encore ceux qui sont là, ceux que l'on aime, l'inspiration, entre autres, de la famille, de tout ce que vous avez rédigé encore une fois dans votre témoignage. Pour ceux et celles qui connaissaient la prière du Notre Père, du moins, je m'adresse pour ces personnes qui y croient. Dans cette prière, il y a 7 demandes. Du moins, on l'a appris tous, je crois, à très jeune âge. Et à la toute dernière, ça dit « Délivre-nous du mal ». Tantôt, j'ai parlé du mot « mal »,« maladie », tu sais, « malade ». Alors, quand vous réciterez la prière du Notre Père, rien à perdre à demander au Père Céleste de nous délivrer de tout mal. Et si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, ben il y a toujours Lynn et Mario aussi à leur demander, tout simplement, qui pourraient nous aider d'une manière ou d'une autre. Parce que la relation physique, matérielle qu'on avait avec eux est maintenant terminée, et maintenant plus une relation spirituelle, à la mémoire, dans le cœur. Et c'est de là que je fais un petit peu des fois à la blague, qu'est-ce que je fais devant vous? Qu'est-ce que je viens de faire? T'as levé la main, faut que tu parles. « Papa, je t'aime. » Elle dit ça tout le long qu'elle lève la main. Parce qu'elle sent mal parce qu'il y a quelqu'un qui l'a attention. C'est bien correct. Qu'est-ce que j'ai fait? Le signe de la croix. C'est là que je vous dis un petit peu à la blague. J'ai pas fait le signe de croix, j'ai fait un plus. Dans le fond, que ma qualité de relation maintenant que j'ai avec Dieu ou que j'ai avec, bien sûr, Lynn et Mario, soit maintenant égal à ma qualité de relation que j'ai avec les autres. Dans notre société d'aujourd'hui, on n'a pas besoin de négatif, on a besoin de positif. Il y a tellement assez de choses qui vont mal dans notre société que dans le fond, on a besoin du plus et c'est un élément à retenir. Habituellement, je termine toujours avec un petit exemple, les points de repère.
vous avez une crevaison en auto. Quel est votre point de repère? Quel est votre premier réflexe quand vous avez une crevaison en auto? Mon chum. Mets sur le bord. Ensuite. Appeler quelqu'un. Oui, d'autres. En arrière, oui. Appeler une dépanneuse, pas fou. La roue de secours. Bon, elle est où la roue de secours? Ah, y a-tu bien des choses dans la valise pour aller jusqu'à la roue de secours? Il n'y a pas de roue de secours. Il n'y a pas l'instrument de la roue de secours. Je fais quoi? Ben c'est simple. Tu lèves l'auto, puis tu continues. Ou tu pousses. L'idée ici, un petit peu à la blague, c'est d'éveiller le réflexe que quand arrive une mauvaise nouvelle, que faites-vous? L'idée ici, c'est de demander à Lynn et à Mario de vous aider dans les mauvaises nouvelles que vous apprenez. Ça, c'est le réflexe que je vous invite à faire. Tout simplement. Que ce soit une pensée ou une prière, cela vous appartient tout simplement. Et encore une fois, qu'il puisse vous aider dans la motivation. Et je termine avec un poème que j'ai rédigé justement en lien avec la motivation. Dans l'aube naissante, l'espoir s'épanouit. Tel un bourgeon timide, il cherche la lumière. Les défis se dressent, les chemins sont ardus. Mais la force intérieure nous guide sincère. Parfois, la motivation se cache dans les petits détails. Un sourire, un encouragement, un regard bienveillant. Elle se nourrit de persévérance et d'idéaux, nous rappelant que chaque pas compte, chaque instant. Alors, levons-nous, amis, et poursuivons notre quête, car la motivation est notre étoile du Nord. Elle nous guide vers des horizons sans limite, où nos rêves prennent vie, où la liberté prend son envol. Que chaque jour soit une symphonie de courage. Que chaque épreuve soit un pas vers la victoire. La motivation est notre allié, notre ancrage. Elle nous pousse à croire en notre propre histoire, tout en nous inspirant de l'histoire de Lynn et de Mario. Merci. Alors, nous avons fait un bref retour sur la vie, l'histoire, le passé de Lynn et de Mario. Prendre un petit moment de conscience sur les émotions du moment présent et l'avenir. Qu'est-ce qui nous réserve? C'est l'espoir d'un monde meilleur, mais bien sûr, c'est l'avenir de la famille. Merci de votre attention. Sur ce, je laisse la parole à mon collègue Pierre-Michel. Merci. Bien, bonjour tout le monde. Mon nom est Pierre-Michel Fontaine. Je suis moi aussi un des directeurs. Je remercie Derek pour la belle célébration. Et vous remercie aussi d'avoir participé pour la cérémonie de, bien sûr, Lynn et Mario. Nous avons été honorés que vous ayez choisi notre maison funéraire. On vous remercie vraiment du fond du cœur. Puis on vous souhaite pour la suite des choses beaucoup d'amour et surtout de sérénité. Alors, je vais vous quitter là-dessus en vous disant, vous savez, ici au complexe Le Sieur, on ne vous dit jamais, mais jamais à bientôt. On vous dit plutôt là, de savourer, de mordre dans la vie. Allez-y, mordez dans la vie. Merci beaucoup. Durant la dernière chanson, on va enlever les chaises qui sont un peu dans l'allée. Vous serez invités à venir à tour de rôle, à toucher l'urne d'un geste tout à fait symbolique. Que ce soit un signe de croix ou déposer votre main, une pensée ou une prière, voix haute, ce temps vous appartient. Comme je disais, un dernier câlin, baiser, c'est un geste tout à fait symbolique. Et pour assurer une bonne... Oui, madame? Excusez, est-ce que je peux parler? Bien sûr, il n'est pas trop tard. Pour dire ce que je veux dire de lire? Oui. Il n'est jamais trop tard. C'est le temps, là, parce qu'on partait, là. Oui.
ça a été vraiment quelqu'un dans ma vie. Son passage est dans mon cœur. Quand il faisait noir, elle mettait du soleil. Elle me réconfortait. Moi, j'ai peut-être pas été là quand elle a eu besoin de moi. Il m'en veut. Je m'en excuse envers elle. Il est trop tard. On n'a pas pu se parler avant qu'elle parte. Quand quelqu'un lui demande d'aller prendre un café, il a eu quelque chose, de ne pas remettre ça à le mois prochain, parce que moi j'ai perdu 1000 sans avoir pris mon café avec elle. On se disait tout le temps, à un moment donné, à un moment donné. Fait qu'elle est trop tard, elle est partie, puis je ne reviens plus jamais. J'ai jamais pu dire que ben, je l'aimais à prendre dans mes bras. J'ai jamais dit. Fait que c'est juste pour vous dire, la famille, que c'était un privilège pour vous autres d'avoir ces deux personnes-là dans vos vies, parce que c'était vraiment deux bonnes personnes. Des personnes aimantes. Des personnes que tu regardes dans les yeux, puis c'est comme si tu l'avais connu toute ta vie. Puis dans le fond, on se connaissait. On était confortables avec eux. On ne sentait pas jugé. On n'avait pas peur de parler. Bon, ben merci. Au nom de la famille. Je pense que ce que vous venez de dire, vous pouvez répéter en touchant l'urne tantôt. Et par rapport à un café, vous pouvez toujours dans une idée spontanée. Réserver du temps avec les enfants, prendre un petit café pour leur dire aussi. C'est ce que je pourrais vous suggérer. Alors, je disais que vous êtes bien sûr invités à venir toucher l'urne. On va enlever les chaises, donc pour assurer une meilleure circulation. D'un côté, vous venez à l'avant, et de l'autre côté, tout simplement, en sortant notre salle commémorative. Alors, un bon retour à la maison malgré les circonstances. Merci encore. David played to please the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. Live alone.